Allez, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, cette fois-ci concernant le boîtier étanche de la Sony, celui-ci. Donc en fait, toujours pour faire des dérivés, hein, tout simple, hein. Cette fois-ci c'est pour une bague M55. C'est ça, vous voyez, M55. Donc cette fois-ci, toujours pareil, hein, quelque chose de simple. Je mets mon élastique, je le fais bien rentrer dedans, comme ceci. Je prends ma bague, je viens l'emboîter. Voilà, on voit qu'elle est emboîtée, qu'elle tient bien. Et désormais, on n'a plus qu'à venir le fixer comme ceci. Et on a un adaptateur pour filtre rouge, orange, jaune, magenta pour notre boîtier Sony. Voilà, une petite démo. Après, on peut très bien se servir de la bague ici pour venir y mettre des adaptateurs, hein, des prolongateurs ou des réducteurs. Ça va permettre justement de garder la bague d'origine pour éviter de l'enlever et de la ressortir parce qu'il n'y a pas de filetage, hein. On est sur du PLA ici, mais la matière finale sera du PET+, comme ceci. Vous voyez, c'est du noir. C'est vraiment fait pour l'eau, c'est étanche et ça tient bien. C'est beaucoup plus solide et beaucoup plus rigide. Hein. Celui-ci est souple, alors que celui-là est très rigide et cassant. Alors que là, vous voyez, on a quand même un produit qui tient bien la route. Voilà pour cette petite présentation pour ce produit.